Comment vous regardez le monde d'aujourd'hui? Quelle est votre analyse? Parce que tout à l'heure sur l'actualité, on a parlé des licenciements. Très vite comme ça, là. À RVI, vous... Très vite comme ça. Oui. Ben, je vais vous dire, j'ai honte du monde que je vais laisser à mes petits-enfants. Aujourd'hui, c'est la ouais. réflexion. Ah oui. C'est pas du tout positif. Oui, ah non, pas du tout, non. C'est même entièrement négatif. Je me rappelle mes souvenirs d'enfance, quand j'étais môme, mon instituteur, alors que bon, je suis un gosse de la laïque, hein, j'étais un cul rouge, qui servait quand même d'un dogme de l'Église pour nous dire, il te faudra gagner ton pain, la sueur de ton front, mais il ajoutait toujours, mais bientôt, un jour, le progrès viendra libérer l'homme de toutes les tâches ingrates, et tout ça. Le progrès, il est arrivé pour les virer, les hommes. Aujourd'hui, on peut jeter du blé sur cette table, et avec les techniques qu'on possède, on fait pousser le blé. Il y a des gens qui ont faim dans ce pays, alors qu'on jette du manger, et je vais laisser ce monde-là à mes petits-enfants, oui, j'ai honte. Dans un monde où on sait faire qu'il y a encore des gens qui aient faim, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais j'ai eu des discussions, une fois dans le train, par hasard, il se trouve que j'ai discuté avec deux personnes qui étaient des économistes, et quand je leur ai parlé de cette espèce de spirale infernale du progrès qui n'étant pas partagé, nous amenait obligatoirement à débaucher malgré tous les termes et nouveaux termes de vocabulaire qu'ils emploient pour ne jamais dire qu'ils débauchent. M'ont dit également à la fin, dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je me dis, mais c'est ton boulot, pas le mien. C'est lui qui se prétend économiste, c'est lui qui prétend diriger la cité. Moi, je n'ai jamais demandé les suffrages de mes concitoyens. Il y a des gens qui prétendent pouvoir diriger la cité, alors qu'ils le fassent. Quand vous dites ça, on dit que vous êtes un révolté. Mais merde, il y a de quoi être révolté, non? Des gens ont faim dans un pays, dans un monde même où on sait tout faire. On réunit la plus formidable armada du monde en quelques semaines pour la guerre du Golfe. 8 jours après, il y a une épidémie de choléra qui commence au Pérou. On n'arrive pas à trouver un B-52, le remplir de vaccins pour arrêter cette épidémie. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Oui, je suis écœuré, oui, je suis révolté. Et parmi les choses, je dirais positives, est-ce qu'il y a des choses positives? Est-ce qu'il y a des choses qui... Mais ce qui est positif, c'est le progrès. Ce qui n'est pas positif, c'est qu'il est mal partagé. Évidemment que je suis pour le progrès. Mais ce B-52 qui était fabriqué pour lancer des bombes, si on y avait mis des vaccins, hein, en quelques heures, il est au Pérou, on arrête l'épidémie, alors que l'épidémie continue toujours. Mais évidemment, ils n'ont pas les moyens d'acheter les vaccins. Alors, on préfère jeter plutôt que de casser le marché, comme ils disent. Mais qu'ils sont-ils? Ils se sont tellement mis au bord du trou, maintenant ce sont des structures. Est-ce que vous répondez? Parce que j'imagine que vous aimez dialoguer avec ces gens-là, vous voulez faire avancer. C'est pas être révolté pour être mais révolté, mais à partir c'est du moment où ils ne veulent pas toucher aux structures, au sacré saint vaudou du pognon. Parce que tout le problème, il est là. Il y a une équation qui disait le temps c'est de l'argent. Mais on a toujours privilégié l'argent par rapport au temps. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie? Pour un être humain, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie? L'oseille, c'est plus important. J'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Non. Et c'est ça qui est le roi, qui domine tout. Des gens ont faim simplement parce qu'ils n'ont pas pour acheter. Il y en a plein les vitrines, il y en a plein les silos. Ah. Est-ce que sur la scène, vous avez un dialogue avec les spectateurs? Non, je suis pas... Non. Je veux dire, je ne suis ni je suis pas un prêcheur. Là, vous me posez une question à Lénie Escudero. Je suis un citoyen comme les autres aussi. Non, alors je dis, vous me demandez ce que je pense de ce monde. C'est un monde de merde. Voilà. On pourrait tout faire, on a tout, absolument tout. Et des gens ont faim, je trouve ça absolument insupportable.